Lors du précédent épisode, nous avons parlé des variables et des différents types d'objets que nous serons menés à utiliser dans un programme en informatique. Pour mettre en pratique les informations que nous avons vues dans les trois précédentes vidéos de cette série, nous allons commencer par faire un petit programme simple en console application. Oh! Les fameux Hello World des débutants! Nous allons enfin évoluer vers Hello Universe. Grand drôle. Mais pour commencer, on va poser une question simple à notre utilisateur. Ne vous préoccupez pas du code déjà existant de la fenêtre de code. Je vous l'expliquerai en temps voulu. Mais pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous allons demander à notre programme de poser des questions à un utilisateur. Donc, commençons à écrire console.writeline. Bonjour, quel est ton prénom? Oh, un vrai mystère! Qui pourrait bien être devant cet écran? Aïe, aïe, aïe. Spoiler alert, c'est moi. Pour l'instant, je me contenterai de vous dire que c'est l'appel d'une fonction qui s'appelle writeline sur l'objet de la console et qui permet d'écrire quelque chose dans cette dernière. Et on lui donne comme information un texte que nous voulons écrire à l'écran. Dans notre cas, c'est « Bonjour, quel est ton prénom ?» Point d'interrogation. Ensuite, on va mettre « console.readline » pour que la console attende une réponse de l'utilisateur. Alors, en gros, la console pose une question, puis attend sagement qu'on lui réponde. J'adore ça. Si ma faim... Non. Je veux pas savoir. On exécute et on voit notre message s'afficher. Mais actuellement, nous n'avons pas encore utilisé de variable. Donc, pour faciliter les choses, nous commencerons par le type de variable string, qui est une chaîne de caractères, puisque le prénom est composé de caractères et que le nombre de caractères n'est pas vraiment limité. Donc, string... Hein? Mais pourquoi lui donner un nom de petite culotte féminine à teneur minimaliste? Pas sûr, Gontran, que la racine du mot vienne de la même place. String, en anglais, veut dire chaîne, pour chaîne de caractère, et non chaîne de tissu. Alors, string message est égal à bonjour, string question est égal à quel est ton prénom. Et on refait la ligne console.writeline message plus virgule espace plus question. Je vois. Donc, si je veux changer le texte pour Hello Galaxy, t'es kill tweet, je sais comment faire. Aïe, 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 incorrigible. Donc, ici, on a concaténé, donc assemblé le contenu de la variable message en mettant un peu de mise en forme avec la virgule et l'espace qu'on ajoute et on ajoute à cela la question. Et maintenant, nous allons créer une variable prénom dans laquelle le readline ira porter l'information lorsque l'utilisateur l'aura rempli. String prénom est égal à console. .readline. Maintenant, nous allons ajouter une autre question. Donc, string question 2 est égal à quel est ton nom? Point d'interrogation. Et on ajoute la ligne console.writeline question 2. String nom est égal à console.readline. Contraint de la légende du code. Ça sonne bien, non? Non. Et nous allons par la suite répondre à l'utilisateur que nous sommes enchantés de faire sa connaissance. Donc, string greeting est égal à enchanté de faire ta connaissance. Console.writeline greeting plus espace plus prénom plus espace plus nom plus point. Ah, la courtoisie programmée. Toujours aussi sincère. Lorsque nous utilisons le signe plus, vous l'aurez compris, entre des chaînes de caractères, cela s'appelle de la concaténation, comme je l'ai mentionné plus haut.
Cela nous permet d'assembler plusieurs morceaux de texte et en un seul. Pour terminer, un petit message pour dire au revoir. String au revoir est égal à appui sur une touche pour fermer le programme. Console.WriteLine au revoir. Console.ReadLine. Un au revoir aussi chaleureux qu'un redémarrage forcé. Ouais, comme si c'était possible avec toi. Hein? T'as dit quoi? J'ai cru bon de lui faire une petite démonstration. Merci, Kaya. Eh bien voilà, on aura la paix, le temps de terminer la vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons ajouter à cela la demande de l'âge de la personne, manipuler le nombre pour convertir la chaîne de caractères en nombre entier, et ensuite déterminer s'il est majeur ou mineur, et faire évoluer le programme tranquillement vers quelque chose de plus constructif. Si vous avez aimé cette vidéo, likez à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou de la petite flamme, tout dépend de la plateforme sur laquelle vous me suivez. Partagez-la un maximum avec les gens qui pourraient être intéressés, et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et de mettre l'option « Tous » pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bonne journée!